on est au jardin du commandant Lamy, à côté de l'abbaye de Saint-Victor, où on est venu avec Philippe Kahn planter un arbre. Alors, c'est quoi l'histoire de cet arbre? C'est un arbre que nous a remis la Confédération paysanne le 1er mars devant la préfecture. Il y a eu donc ce mouvement revendicatif du monde agricole là, en début d'année. Et ce qui s'est passé, pourquoi ils sont venus avec un arbre? Ils voulaient l'offrir au préfet parce qu'auparavant, il y avait un autre syndicat agricole qu'on ne citera pas, qui était venu avec des tracteurs devant la direction régionale de l'environnement et qui avait en fait arraché un arbre pour pouvoir attaquer la direction régionale de l'environnement. Et donc la Confédération paysanne n'était pas d'accord avec ça et donc ils voulaient compenser l'arbre et le remettre à l'État. Et donc ils ont bien eu une réunion en préfecture, mais ils n'ont pas pu remettre l'arbre, donc on s'est proposé de le récupérer et de le planter nous. Donc nous sommes très contents de ce cadeau, c'est un érable de Montpellier. Alors la spécificité de cet arbre, c'est une espèce tout à fait méditerranéenne, qui est très économe en eau, qui résiste à la sécheresse, qui résiste au grand froid, qui va pousser énormément. C'est un joli cadeau qu'on nous a fait, et dans quelques années, ça va faire de l'ombre dans notre petit jardin du commandant Lamy.